السباحة طورنا شوية، ردينا سيرف ركماجة على الموجة الحمد لله. اليوم راني معاك غدوة تاني متمني، يكتب المكتوب ونكون حداك. آه يا قلبي شوف هواك وين رماني، فوق بحر صافي بمواج وداني معاه. تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني، وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه. هي زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Pourquoi tu as tellement aimé le surf? Quand j'ai découvert le surf, il n'y avait plus à se poser de questions. Les voyages, c'est en fonction du surf. Les week-ends, c'est en fonction du surf. Le surf a dominé notre vie. Alors quand le type il surf pas, il ne comprend pas. Ah, c'est parce que c'est un drogué. Mais non, on n'était pas drogué. On fumait des petits joints. Et la vérité, je fume encore. Moi, ce que je raconte, parce qu'au Maroc, il n'y a pas que la mer. Au Maroc, il y a la Méditerranée, il y a l'Atlantique, il y a la montagne. Et la montagne, au Maroc, il y a les Berbères. Les Berbères, c'est complètement différent des Arabes. Les Berbères, ils ont un accueil ancestral. C'est-à-dire, les origines, c'est le Sahara. Si toi, tu viens, et je suis au Sahara, et tu voyages et tu n'as pas d'eau, je ne peux pas te refuser l'eau. Si je te refuse l'eau, tu es mort. Le Berbère, quand on est arrivé ici à Tarazout, il y avait des Australiens et des Américains au début. Les Français sont arrivés en 75. Les Berbères, ils avaient les yeux brillants du renouveau qu'on leur apportait. Ils arrivaient à Mulet et nous on arrive avec les cheveux longs et les jolies filles. Et ça c'est fantastique.
سمع فرقت يار لي اليوم غنات وفي الحالة انت ضبتي ضبتي مع غروب الشمس لي اليوم شرقات وفي مواقف انت رحت مع فرقت يار لي اليوم Randolph, moi quand j'avais 16 ans, Randolph c'était une personne qui doit avoir 15 ans de plus que moi, d'accord, je pense, ou 20 ans de plus que moi. Et donc nous, quand on avait 16 ans, on le voyait comme une idole, une légende pour nous. Parce que lui, il vivait du surf, il faisait des surf trips avec son Land Rover et ça nous a donné des envies, des motivations. Et en plus, il était super gentil avec nous. Donc voilà, après, ce qui s'est passé, c'est que comme il nous a communiqué, il nous a dit à la pointe des ancres, à Agadir, il y a des super vagues.
Il y a une qualité de vagues qui est difficile de trouver dans le nord. Et donc chaque année, on venait à la Pointe des Ancres au mois de janvier pour surfer et pour acheter du matériel parce qu'il n'y avait rien au Maroc. Pas de planche de surf, pas de dish, pas de combinaison, etc. Donc on venait ici, il y avait des Australiens déjà à l'époque, tous les hivers, qui venaient passer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois à la Pointe des Ancres. Et quand ils repartaient, ils nous vendaient leur matériel. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir des planches qui venaient d'Australie, des États-Unis. Et c'est ce qui m'a donné la passion du chep. Je suis passionné. C'est pas pour l'argent, ça m'intéresse pas. Sinon, je ferai des fiches et des rétrofiches, des minimales et des longboards pour monsieur tout le monde et j'en voudrais peut-être beaucoup plus. Moi, je suis un puriste, je suis dans la performance et surtout chez les jeunes. Pour les jeunes d'aujourd'hui, je leur dis que, comment on dit en anglais, never give up. C'est un sport incroyable, c'est un sport d'avenir, c'est un sport sain. Les surfeurs sont généralement écologiques, ils laissent les plages propres, ils se comportent bien. Donc ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, le surf est en pleine explosion au Maroc et ça va être un avenir formidable pour le Maroc. When I was young, I was 15, I started surfing. I love it. I was a skater too. I was always on the water, always my family find me, where are you, Tarek? They think I'm in school. Or I was always at the beach surfing. And in the past, there was not a lot of material. I have a friend, Tarek, the same name like me. He told me we have to go to the guy, have a car, he fixed the car and thinks there is some reason. So we go there and we see how he do and we buy it and we try it at the garden. We do a lot of cups of resin and we do like chemical experience. Yeah, we do this one is green, this one is so red, this one is good. So we have to remember how we was young. And then I start fixing my board. And after year, my friends know me, I fix it, I know how to fix it, and they give me the boards to fix. And then I go with this, I love it. Yeah, 23. Then I think I'm good, I want this job, I want to be a shaper. So, surfing in Morocco. It's a big question. I'm going to tell you surf for me, not for Morocco. Because Morocco before doesn't know about surf. But for me, surf, it's like a lifestyle. I like to be far from the people to see other things, to see other culture, to see other cities, countries. This is surf for me, not business. Morocco is going. So we hope. Inshallah. Okay.
Surfing, it's everything, yeah. It's not sport, it's something more like mental, you should try it to feel it. Thank you.